aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, une nouvelle création pour le mois d'août. Donc comme la vidéo du mois de juillet, j'ai très très peu de créations à vous présenter, j'en ai à peu près une dizaine. Mais c'est pour les mêmes raisons tout simplement que le mois de juillet, voilà. Avec la chaleur, tout ça, j'avais juste moins envie de filmoter, voilà, j'avais plus tellement la motive et pas très très envie. J'avais plus envie de me consacrer au DIY et à la décoration de ma chambre, car si vous ne le savez pas, je l'ai refait, enfin pas entièrement, j'ai refait le sol et j'ai un nouvel atelier Fimo, donc vous verrez tout ça très très bientôt. Et de toute manière, si vous avez vu ma vidéo Back to School de la semaine dernière, vous êtes déjà au courant un peu, enfin vous avez pu voir quelques changements. Donc comme d'habitude, toutes les créations seront très très bientôt disponibles sur ma boutique à Little Market. N'hésitez pas à aller faire un tour, ça me ferait super plaisir. Le lien est tout le temps en barre d'infos, donc voilà. Et sur ça, on va tout de suite commencer. Ah, c'est ma seule et unique paire de boucles d'oreilles. Donc en fait, il y a une paire de boucles d'oreilles un peu... En fait, il n'y a pas de Fimo dessus, c'est juste du montage. Comme ceci, en fait, j'avais reçu lors d'une commande, je crois, en cadeau, des petits connecteurs comme ça, l'une. Et je savais pas quoi en faire. Et j'ai trouvé que dernièrement l'idée, en fait, de faire une paire de boucles d'oreilles. Et j'ai tout simplement, en fait, mis des petites perles rouges. Et je trouve ça juste trop, trop choupinou. Donc voilà. Et du coup, j'ai recommandé plein de petites choses comme ça pour faire plein de boucles d'oreilles avec des couleurs différentes. Ensuite, j'ai fait deux colliers. Donc le premier, il mesure 40 cm et c'est un collier géométrique simplement, voilà, c'est un triangle, voilà, et la couleur c'est le rose pastel de chez Cermis que vous devez connaître. Le collier cette fois-ci c'est plus un sautoir, il mesure 60 cm, c'est un petit biscuit cœur comme ceci avec du coulis chocolat et des petits copeaux. On passe au porte-clés, donc j'ai refait un macaron en mint, voilà. Donc j'ai monté avec une breloque Just For You et du ruban, il faut juste que je coupe le ruban. Ensuite j'ai fait un porte-clés comme ceci, biscuit smiley, donc je pense que vous connaissez cet emoji. Voilà, c'est des emojis iPhone basiques. Et voilà, je l'ai monté avec une petite étoile et un nœud jaune. J'ai fait un autre porte-clés biscuit, cette fois-ci en forme de fleur avec du coulis de fraises à l'intérieur. Et je l'ai monté avec un nœud rouge à pois et une breloque Just Foot. J'ai un porte-clés tarte aux fraises comme ceci. Donc je l'ai monté avec une breloque cuillère et un nœud rouge à pois. Toujours dans les tartes et toujours en porte-clés, j'ai une tarte chocolat avec des petits copeaux de cacahuètes, de je sais pas quoi, de ce que vous voulez. Voilà, je l'ai monté avec une cuillère et un nœud marron. Ensuite, j'ai fait un porte-clés à deux créations, c'est la première fois que je faisais ça. Et j'ai tout simplement monté en fait un petit donut et une petite glace comme ça que j'avais fait. Donc la couleur, c'est la couleur blush de chez Primo. Ensuite, avant-dernière création, c'est un porte-clés cupcake comme ceci que j'ai monté avec un nœud rouge à pois et une petite breloque made with love. Donc mes supports de porte-clés ont changé, ce sont ceux de chez Créacia mais maintenant que j'utilise. Donc voilà, le cupcake est gris métallique avec une petite banderole avec un cœur rouge. Et dernière création de cette vidéo, c'est un gâteau ombré, voilà, un ombré cake. Donc comme vous pouvez le voir sur la part, c'est un dégradé de rose et je me suis basée sur la couleur blush de ces sculpettes toujours. Donc voilà comment le gâteau est à l'intérieur, et dessus j'ai fait trois petites roses et deux pétales, et je l'ai monté avec un petit nœud rosé et deux breloques, une breloque couteau et une breloque fourchette. Et voilà pour cette vidéo nouvelle création, elle a été très courte je le sais, mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Sur ça je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique, je vous le rappelle, et je vous dis à la semaine prochaine, bye.